je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Le 21 juin 2021, Cristiano Ronaldo, ouais, je ne sais pas si je l'ai bien dit, ouais, donc star de foot international, il va commencer sa conférence de presse, il est assis devant les caméras, tranquille, il y a une table qui est devant lui, et sur la table devant lui, il y a deux bouteilles de coca et une bouteille d'eau. Deux bouteilles de coca et une bouteille d'eau. Écoutez bien ce qu'il va faire. Il va prendre les deux bouteilles de coca avec sa main, il va les prendre et il va les éloigner de lui à environ un mètre. Il va les prendre, il va les pousser à environ un mètre. Il va prendre la bouteille d'eau et il va la poser, boum, il va la poser devant lui. Donc un geste a priori qui est hyper anodin. Mes amis, dans la même journée, l'action de Coca-Cola a perdu en bourse presque instantanément 1,6% de sa valeur. Ce qui représente, écoutez bien, une perte sèche de 4 milliards de dollars avec un geste qui a duré exactement 3 secondes. Mes amis, qu'est-ce qu'un juif doit apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire? Écoutez bien, même les plus petites actions qu'on fait dans notre quotidien, elles ont des répercussions qu'on ne peut pas s'imaginer. Qu'on peut même pas s'imaginer. Tu prends la poubelle, tu la descends. Avant que ta femme te demande de le faire. Avant que ta femme te demande de le faire. Tu rentres à la maison avec un sourire. 3 secondes, un sourire sur ton visage. 3 secondes. Après que tu as mangé, tu prends ton assiette. Tu la mets dans l'évier, tu la laves. Mes amis, Hachem, il a envie de nous dire, apprenez de Ronaldo, mes amis. Apprenez de Ronaldo, mes enfants. Ton impact dans le ciel, il est phénoménal. Tes petites actions dans le ciel, elles ont un impact phénoménal. Tu dis à ta femme, chérie, ce matin, c'est moi qui habille les enfants. C'est moi qui habille les enfants. Grâce à toi, ta femme, elle va pouvoir dormir un quart d'heure de plus. Mais avec cette petite phrase-là que tu viens de dire à ta femme, mais tu crées des mondes dans les sphères supérieures inimaginables. Avec une phrase. Avec une phrase. Tu prends toutes tes photos sur Instagram où t'es mal habillé, tu les effaces. Tu les effaces. Nous dit le Bataïn Akadosh, écoutez bien, mesdemoiselles, écoutez bien, mesdames. À cet instant, mes amis, les anges dans le ciel, ils arrêtent de faire des louanges à Hachem et ils disent à Hachem, Hachem, regarde ta fille ce qu'elle vient de faire. Regarde ce qu'elle a fait pour toi, elle a effacé ses photos patsa noire. Mais tu sais, maintenant, la protection, tu es en train d'apporter à tout le peuple juif en faisant une chose pareille. Mais là, tu viens de donner la force à Tzal d'attraper 10 terroristes. Dans le ciel, tu as provoqué que grâce à ça, ils vont réussir à déjouer 3 attentats avec un clic qui a duré 3 secondes. Mes amis, le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, nous dit le Midrash, pourquoi il a été choisi, lui, plus que quelqu'un d'autre? Écoutez bien, le soir, il prenait des bougies et il éclairait les routes pour aider les gens à rentrer chez eux. Mes amis, c'est les petites choses qui font la grandeur d'un homme. Encore un sourire, encore un mot gentil à ta femme, à ton mari, encore un compliment à ton fils, à ta fille. Mes amis, c'est sur ça qu'Hachem nous attend. À bientôt.